Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch, c'est tel qu'il nous, il s'agit de l'épisode je ne sais plus combien, mais en tout cas du DLC numéro 2. Donc ça veut dire épisode au final 7, 8, l'écrivain. C'est parti. Précédemment dans Alan Wake, c'est pas un lac, c'est un océan. Après avoir sauvé ma femme des griffes de l'ombre, je me suis retrouvé pris au piège de l'entre-noir. Ton imagination n'est pas toujours ton ami. Un monde cauchemardesque qui se trouve aux confins de notre propre imaginaire. C'est vous qui faites tout cela. Fais tout ce que Zen te dira. Suivez le signal. Tout ça vient vraiment de mon esprit. L'entre-noir vous y détourne. J'ai parcouru son paysage vacillant et changeant en quête de Thomas Zen. Vous êtes prisonnier de vos propres cauchemars. Vous continuez à vous enfoncer. Détends-toi, Alan. Hartman, c'est dans votre tête. Vous avez tout imaginé. Non. Allons, Wake. C'est du délire pur et simple. Non, sortez de ma tête. Et sérieusement, Al, il faut se ressaisir maintenant. Cette réalité est complètement différente. C'est bien compris, Al? Je crois que je suis coincé de ce côté. Oh là là. Bon, il va falloir que tu te sortes de là. Je t'attends. Rappelle-toi, tu es toujours dans l'entre-noir. Mais tu le sais, ça, hein? Je veux pas te mettre la pression, vieux, mais c'est pas le moment de te planter. D'accord. Ah, ce passage-là était lourd dans le jeu de base. Je sentais la pression monter. Barry avait raison, le temps pressait. Je ne voyais qu'une version sombre et déformée de la réalité, basée sur mes souvenirs et mes pensées. D'accord. Bon bah Jim, là, j'espère que t'as bien suivi le previously, parce que ça répond à toutes les questions que tu avais. Voilà. Faigwent, ouais, c'est un bot. Je sais plus ce qui... Quelqu'un m'avait dit, je crois que c'était Fitz qui avait dit que c'était pas vraiment un bot, parce qu'il avait déjà parlé, je crois. Non, je confonds avec un autre. Non, Faigwent, c'est un bot, c'est sûr. C'était Fire Phoenix 2, je crois. Je me demandais si c'était un bot ou pas, mais apparemment, lui, il avait parlé, donc, tournez le poteau. Ah, yes, ok. Ah, mais... En fait, est-ce que je peux... Non, je peux... Oh! D'accord. Comment on fait les bébés? Eh ben, écoute. C'est quoi cette bouteille de lait? Ok, elle est où la bouteille de lait? Regarde, tu dois avoir une bouteille de lait à ta droite, Jim, là-haut. Et tu as la réponse à ta question, du coup. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à loot ici. Mais on dirait que non, on va passer par... où est-ce... Ah, par là-bas. Ouais. Et oui, c'était Arnaud qui fêtait son anniversaire tout à l'heure. Il est pas là parce qu'il est reparti stream, je crois. Je devais l'accepter. Si tout cela venait de mon esprit, j'étais le seul responsable de cette histoire. Je luttais vraiment contre moi-même. Dans un moment de lucidité. Mais en tout cas, c'est dommage que le DLC 1 soit vachement axé action. Celui-là, pour l'instant, peut-être un peu plus puzzle. Ça serait bien. Ah, j'y crois pas. Mais ça rajoute un petit peu à... Comment... au jeu, mais pas forcément à l'histoire, quoi. Voilà, surprise. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ça, non, ok. C'est quoi cette histoire de bots? Il y a des bots qui ont des chaînes Twitch. Mais de toute façon, à partir du moment où t'as un compte, t'as une chaîne. Mais Faigwent est un bot qui, a priori, prend des statistiques. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais je vois que ça, tu vois. Il parle pas. Remplacer, recharger. Ok, donc plein de trucs à loot. Tac, tac. Tac, tac, y'a rien. Non. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais attends, on a chopé les munitions, mais on n'a pas chopé les armes en fait. Y'a pas d'armes? D'accord. Maintenant, vous allez apprendre comment faire la diarrhée avec la telle cacao. Oh, c'est dégueulasse.
Jim Lao, quand même. Tu n'as pas honte, voyons. Pour faire les bébés, après faut prendre ses bits. Departure, je me sentais fini aussi. Tout ce que j'avais voulu, c'était sauver Alice. Après ça, une partie de moi avait été prête à se laisser mourir. Mais je me suis accroché. Thomas Zen m'a trouvé. J'ai couru à travers des paysages cauchemardesques pour suivre son signal. Il me répétait que je m'enfonçais, que j'allais trop loin, mais j'ignorais s'il parlait de l'antre noir ou de la folie. Peut-être était-ce la même chose. L'antre de la folie, très bon film de Carpenter. Que je vous conseille à tous, qui n'est pas très connu au final. In the Mouth of Madness en anglais. Fagwen t'a pas poussé sur mon chan et maintenant aucune idée de comment lui dire de se barrer. On peut pas en fait, non tu peux pas, c'est comme n'importe quel... Tu peux peut-être le ban en fait. On peut peut-être le ban en fait. Tiens, essayez de voir si vous pouvez le ban. Le truc c'est que ça fait un viewer de plus donc... Est-ce que ça vaut le coup? Mais c'est vrai que de toute façon... Je serais curieux de savoir si ça fait un viewer de plus ou pas en fait. Si. C'est toujours bien, mais. Oh, un fake viewer, on s'en fout. Go essayer de le ban, tiens. Si quelqu'un est motivé pour faire des tests. Le ban empêche d'écrire, mais pourra toujours venir voir, être sur le chat sans parler. Ah oui, c'est pas faux, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça le vire pas du chat? Ça compte pas comme viewer. Ça le vire pas du chat, le ban? Y'a pas moyen d'avoir un ban qui vire du chat, vraiment? Tiens. Jeu vidéo Zone X, oh yes! Un jeu... Ah ok, donc ça c'est les... Là c'est les... Tout ce qu'il y a collectionné c'est les Zone X. Là, là. S'il affiche pas le stream, c'est pas un viewer. D'accord, ok, ouais logique. Il va calculer par flux envoyé par le serveur. Ok. Y'a pas moyen de virer du chat complètement. Ok, je pensais. Point de contrôle atteint. Bien joué, Al! Alors t'es vraiment givré, hein? Te voile pas la face? Il fallait bien que ça arrive! Peut-être. Mais en fait, je me sens plutôt équilibré, l'un dans l'autre. Les gens cinglés ignorent qu'ils le sont! Sinon, ils le sauraient pas! Hé, regarde les lumières derrière la clinique! C'est la lumière de Zen. Ouais, tu coules plus maintenant. Ça veut dire qu'il t'a presque rattrapé. Tu devrais aller lui parler! Ça sent le gros fight, là. J'aurais un feu d'artifice et tout. Ça sent le gros gros fight. Non mais il était pas si mal le DLC hein, en fait. Enfin je veux dire, voilà, c'est la continuation du jeu. C'est vrai que ce qui fait la richesse quand même de Alan Wake, c'est son scénar. Donc sans le scénar au final, sans les rebondissements et tout. Il y a plein de feux d'artifice. Sympa. Wake entendait jouer les Old Gods. La musique était insupportable. Elle attirait les horreurs. D'accord. Ah ouais, tu te souviens de ça, Al? Oh merde. La zik affreuse, quoi. Oh. Oh là 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 là. Merde, je vais dans le mauvais sens. Aïe. Je les dodge là! Putain! Non! Oh là là, ça va être compliqué. Ah. Le chat est bêtement en mode plus V voice. Si tu viens de l'IRC, mais carrément, carrément, j'ai pas. L'IRC, j'ai pas mal fait mes mus sur IRC à l'époque, ouais. Tu
Chez les chats, c'est en voice voice only. Le band faisant moins voice, tu peux toujours te call à Rome et pas parler. D'accord, ok. J'en comprends pas forcément. C'est pas du tout secure, c'est le vrai. Sympa! Wick, entendez jouer les Old Gods! La musique était insupportable! Elle attirait les horreurs! Selon la dernière news, il y a 9h, Twitch support enquête sur le Five Moon Nightbot. Sur Nightbot? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'enquêter sur Nightbot? Putain, le jeu est pas tellement pas réactif. C'est chaud sans, sans feu à main en fait. J'adore. C'est vraiment très profond, mais j'essaie de survivre. Ok. Sur Fairy Gwen qui serait en mode Nightbot, j'en sais pas plus. Ok, d'accord. Bizarre. Ok, on a réussi là. Et par là, sans s'électrocuter, ça serait bien. Y'a pas autre chose à loot tant qu'on y est. Tu peux entrer maintenant, Al. Le gros a démoli la porte. On va récupérer les munitions, mec. Ok, oh là là. Tire au toto là. Car il fait concurrence à Moobot, le bot créé par un Twitch staff member. Ah, c'est possible aussi. Bonne AFK. J'aime la voir à toutes. Remplacer. On va voir s'il y a un truc là-bas aussi. Bah tiens, si. J'ai bien fait. Ok. Autre chose par là? Non. Ok. C'est quoi le mec qui lui parle? C'est qui? C'est Barry, c'est son pote. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est une partie de sa conscience qui a pris l'apparence de Barry, en fait, de son pote. Mais Barry, à la base, c'est son pote. Qui est un peu con, mais... voilà. C'est le faire-valoir de Alan Wake, au final. Ouah, putain. Ouah, putain. Ok. Tu vois, Anne, c'est typique. Tu compliques toujours les choses. Ah, mais là, je peux pas. Ce n'est qu'un souvenir. Même tes souvenirs sont compliqués. Je suis en train de gâcher les trucs. Voilà. Ouais. Alors, tu vas devoir parler à Zane maintenant qu'il est vraiment là. Je vais m'éclipser et vous laisser discuter tranquille entre personnes bien réelles. Ah, c'est Barry. Il ne vient pas. Non! Juste un coup de pause. Mais t'as pris de la bouteille, mon grand. T'as pris de la bouteille, mais ouais. Je vis des zones X. C'est très beau travail, Alan. Je peux vous accompagner maintenant. Vous êtes prisonnier de votre rêve. Vous devez vous réveiller, mais pour ça, vous devez vous trouver.
le chalet. Oui, mon chalet, mais ce ne sera pas simple. Votre œuvre peut vous aider. Il me reste quelques pages de votre manuscrit. Les mots de ce genre sont puissants ici. Tu vois rien en parlant? Tu veux dire que quand tu parles, tu n'arrives plus à regarder? C'est bizarre, non? Oh là là. Ok, page de manuscrit. Pierre, bateau et effacé. Effacer la barrière? Non? C'est ça? Le phare? Ouais. Ça convient. Je peux vous aider à l'atteindre. Mais après ça, vous serez seul. Je ne peux pas entrer dans le chalet. L'ombre noire s'en est assurée lors de notre dernière rencontre. Vous luttez contre vous-même, contre les parties de votre esprit que vous ne contrôlez pas. Personne ne peut lutter à votre place. Oh putain, faut que je saute en fait. J'ai failli me casser la gueule. MOMG. MOMG. Hop. Batal. D'accord. Oui, c'est différent. C'est particulier là quand même. Ah, c'est particulier. J'étais content que Zen soit à mes côtés. Il connaissait le terrain. Mais une partie de moi se demandait s'il était encore vraiment humain. Après avoir passé tant de temps dans ce lieu. Ok. Pile, des piles partout, des piles. Ok. J'aime bien. Là, pour l'instant, je trouve que c'est mieux que le premier. Là. Vachement intéressant, là, le coup des... Enfin, ils ont... Le monde chavirait. Tout était sans la mécanique dessous. Qui... Des mots là. Il allait sombrer. Qui est mieux géré. Mieux utilisé. Ouais. Merde. Aïe. Ah. D'accord. Ok. Donc je crois que. J'ai pas été assez rapide. À mon avis. Faut que je me mette ici en fait. Ah, non, pas là. Pas là. Là. Là voilà. Là par là. Oh putain. Oh putain. Non. Ok. Je pense que je suis parti du comme il fallait. Voilà, donc là voilà. Par contre. Voilà. Non. Faut que j'arrive là. D'accord. Voilà. T'as la baraque qui tourne, quoi. Le monde chavire, c'est spé. Le vent s'intensifiait. Wake était trop haut. Trop haut. De cette hauteur, l'eau serait aussi dure que du béton. Nom de Dieu. Tu veux ma mort à ce point? Approchez. Le souffle allait l'emporter. Ok. Bon. Ah mais il se barre le pont.
J'ai prévenu mercredi dernier, j'en ai parlé. Je l'ai pas encore mis dans le poste du vendredi parce que t'as dit que tu voulais pas. Donc et ouais, Noah a fait le fou et Noah m'a offert au final deux choses. Bon, chemin. Faut que j'aille là, mais comment j'y vais? Ah, ça s'approche. Ok, Noah m'a offert deux choses. Un abonnement annuel pour réserver son nom de domaine. Et deux, ses compétences en programmation et enfin tout ce qui est ce genre de truc là pour gérer le nom de domaine et faire des trucs avec, et voilà. C'est pour ça que les liens en point d'exclamation Elki sont changés aussi. Elle me rappelait l'ombre noire, encore un souvenir, mais elle pouvait encore me tuer. Mais je veux pas juste que j'ai fait un speed landing page. Ouais, mais quand il y aura plus que ça, Noah, je ferai un petit truc quand même sur toi. Enfin, voilà. Voilà. Bref, Noah rocks, on le savait déjà, mais il rocks encore plus. Ouais. Coucou Twista, bienvenue. Ouais, moi je préfère largement ce genre de gameplay là Oh, merde. Je préfère largement ce genre de gameplay là que ce qu'on avait sur le DLC hein. Comment vas-tu Twista? On est sur le deuxième DLC de Alan Wake. On a fini le premier tout à l'heure. Les Kinou étaient plus pour enchaîner sur le DLC 2 plutôt que Deponia. Donc Deponia sera encore repoussé. Ah putain, n'importe quoi. N'importe Nawak. Faut que je jump sur le lit, quoi. Faut que je prenne de l'élan. Faut que je prenne de l'élan, Wake. Ok. Ok. Allez. Oh là là. Oh non. Putain. Par contre, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas fluide en fait. Un sujet avec plein de choses qui volent, ouais, hein, c'est ouf. Hein. En fait, le dessin de Fitz, il rock ce dessin de Fitz, non? Oh là là. Oh là là. C'était un peu chaud là. Chemin. Ouais, ok. Oh, tu te fous de ma gueule! Putain. Ça sert à rien ces trucs là en fait, puisque je prends le lit à chaque fois. Dire les phrases de cauchemar de Max Payne dans une certaine mesure. C'est vrai. Le saut du lit au matin. Bien vu. Alors attends. Ça, c'est chaud. Non putain. Il n'y a pas de place pour... Il n'y a pas de place pour prendre de l'élan. Et en plus, il y a la fucking. La tête du lit là qui empêche de courir, de sauter en fait. On va y arriver. Merde.
Le problème, c'est que le jeu est pas fait pour ce genre de truc, quoi. On n'est pas dans Tomb Raider. C'est vraiment pas fluide. C'est lourd. Hein. C'est pas smooth. Essaye le pont. Quel pont? Que je monte sur ce... Ah mais tu vois, je peux pas... Voilà. Il y a pas d'autres moments d'endroit en fait. En même temps, Alan arrêterait de faire le micro, les boulets avant de commencer à courir. C'est ça, il évite un truc en fait. Je sais que tu dois pas passer facile. Ouais, non mais... J'y pensais aussi, mais je pense... Enfin, je sais pas. De toute façon, on réussit. Voilà. Ok. Pierre. Paul et Jacques. Ok. Ouais, mais là, non. Regardez-moi ce truc, là. Ça va m'aplatir en deux, ça. Ça a sauvegardé ou pas? J'ai même pas vu. Ça existe pas, aplatir en deux, en fait. Ok. Alors, on y va, hein, pas le choix. Ah non, si, c'est bon, en fait. Concentrez-vous sur le phare. Si vous l'atteignez, alors vous trouverez le chalet. Ça devient dingue ici, Zayn. C'était prévisible. Vous luttez pour le contrôle de vous-même. L'endroit vous reprend ce combat, mais chaque pas vous rapproche du but. En persévérant, vous atteindrez un degré de lucidité qui repoussera les ténèbres. Il est dans un rêve ou comment ça se passe? C'est plus compliqué que ça. Tu te rappelles de la fin du jeu, Twista, il arrive à sauver sa femme, Alice. Et au final, il s'est un petit peu... il a un petit peu sombré dans la folie, en fait. Du coup, il se retrouve coincé dans des souvenirs que lui-même peut écrire, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, ouais, il est coincé dans un rêve, on peut dire ça, dans un cauchemar, quoi. C'est... Merde. Oh, non. Ah ben, à plus. Crac. Crac. Ok. Sinon, je sais pas maintenant si Dame est toujours je là. Je savais ce que j'affrontais. Le paysage devenait encore plus malsain, plus étrange, comme s'il ne faisait plus aucun effort pour paraître normal. Dame, si tu es toujours là et que tu nous écoutes, oublie pas ton jeu, nom de Dieu. Hop. Ah mais je refais la même chose à moi en fait. Pas de soucis quoi. Alors, rouler. Oh, ok. En fait, les roulés, là, ça sert à... Oh, putain. Oh là là. Ouais, d'accord. Ça sert à ça. C'est vache, c'est capillotracté. C'est tout à fait capillotracté. Maintenant que je savais ce que j'affrontais, allez. Le paysage devenait encore plus malsain, plus étrange. Comme s'il ne faisait plus aucun effort pour paraître normal. Je m'en... Ok. Nickel. Bye bye. Ok. Je vais me faire mal là. Non? Je vais me faire mal si je saute là. Ouais, là aussi. Quoique. Bah oui. Non mais sérieusement.
Ah putain, ça reprend de là, ça reprend de là, d'accord, ok. Maintenant que je savais ce que j'affrontais, le paysage devenait encore plus malsain, plus étrange, comme s'il ne faisait plus aucun effort pour paraître normal. Ok. C'est comme les Yukon. Bye bye. Exactement. Bon alors comment, il faut que je descende par là en fait. Recharge-moi tout ça. Régime là-haut. Boum. Boum. Bye bye. Ouais mais alors attends, il oh, y a toujours plein de barils qui sont. Ok. Ouais d'accord. Merde. Putain, non, non, non. Allez. Ah, je vais crever. Putain, chier. Ah, puis ça repart de là. D'accord, ouais. Maintenant que je savais ce que j'affrontais, le paysage devenait encore plus malsain, plus étrange, comme s'il ne faisait plus aucun effort pour paraître normal. Allez! Merde, c'est trop loin de toute façon. Oh, t'es gros, toi. Oh, t'es gros. Ok, d'accord, t'es vénère aussi. Ok. Charge-nous tout ça. Il en reste un, je crois. Voilà. Merde, je l'ai loupé. Ok, bon. On va pas les faire normalement, je crois, là. Recharge, s'il te plaît. Ah. Putain, mais toi, là. Il essaye de me flanquer. C'est de con. Ok, on a plus beaucoup de munitions, c'est pas grave. Okay. C'est pas fini, hein, on dirait. Ah si. Ok. Tac. Allez, allez, checkpoint s'il te plaît. Checkpoint s'il te plaît. Toujours pas de checkpoint, hein. Je crois.
En tout cas, on a des munitions, ça c'est cool. Ni d'un checkpoint là, le jeu. Allez. Ah. Yes. Alors, trou. Ok. Un trou. Il est tombé le mot trou. Est-ce que ça veut dire que... Alors, je vais tester quand même. Ah, yes. Ah bah c'est pour ça qu'ils filent. Ils enfilent en fait. Ok, on a les fusées éclairantes mais on n'a pas de... Ah si. C'est les feux à main en fait, c'est la même chose, ok. D'accord, cool. Un checkpoint. Bah oui. Un checkpoint. Où est-ce que tu se passe-t-il? J'ai pas aimé le clac 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 là. Quelle est télé, y'a rien. Ah, pour l'instant. Ah, c'est quand il court en fait. Ok. Checkpoint encore. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Ah! Fais peur, toi! Par là? Non. Hop, salut. Je pense qu'il faut tomber là. Aïe! Foiré va! Tombe, 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 tombe! Casse-toi la gueule! Aïe! Ok? Voilà. Oh, Kino qui me fait sursauter. Ah bah. Est-ce qu'on peut? Quelle est ta couleur préférée? À qui tu demandes, Jimlo? À moi? Qu'est-ce que c'est que ces questions, Jimlo? Ce sont bizarres, tes questions. Wake était forcé de traverser un labyrinthe, courant tel un hamster dans sa roue, mais n'arrivant jamais nulle part. C'était à l'image de sa vie. Inutile! Évidemment que ma couleur préférée, c'est le bleu. Oh, merde, quoi merde, encore merde, 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 merde. Oh. Ok. Sinon je me fais exploser la tronche. Oh, ça tourne dans l'autre. Ah non. Oh, c'est bien. Non, franchement, ça c'est mieux que le... Il est... Allez, allez. Oh merde, 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 merde. Monte, putain. J'ai pas été assez rapide. Qu'est-ce que... Ça va le faire. C'est mieux que le DLC 1. Il est mieux que le DLC 1, y'a pas photo. C'est des boutons. C'est des random question of doom. À toi, Elki. Quand il plonge pour essayer de sauver Alice. En fait, il est mort si ça se trouve. Mais du coup, on fait quoi là? Faut que j'y aille. Aimerais-tu savoir parler aux animaux mais ne plus comprendre les humains? Et toi, est-ce que tu préfères avoir... Avoir une jambe en mousse
ou des dents en bois. Ok. Non, non, je parle par là. Monsieur Wake, je peux vous enseigner ? Non, merci, ça ira. T'inquiète, tout va bien. Oh, c'est pas mal. What? Cul-de-sac? Faut que la roue s'inverse complètement en fait. J'imagine. Ah voilà. Voilà. Ok. Tu préfères les dents en bois? Oh merde. Non, 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 non. Merde, par où faut que j'aille? Par là. Attends, ah non, par là. What? Ah là. Ah mais c'est pas cool là. Je vais me casser la gueule là. Au-dessus, j'ai jamais fumé, jamais bu. T'as jamais fumé, t'as jamais bu. Menteur. J'avoue. Est-ce que je peux ouvrir? Attends. Oh là là, mais oh là là. Faut que je tire sur le truc, peut-être. Non. Ah, ça s'ouvre. Ok. Déjà des dents en mousse. Ah, c'est... Ouais mais c'est des dents en bois. Les dents en bois c'est pas pratique, si tu te laves les dents et tout ça moisit. Enfin, c'est chaud quand même. Un ascenseur. Bah voilà. Évidemment. Lucidité, j'arrive. Vous vous en tirez, continuez. J'ai du mal à comprendre cet endroit. On est en plein rêve. Ici c'est un lieu immense où évoluent des forces et des êtres surnaturels. L'ombre noire. Oui, j'ignore ce qui lui est arrivé après votre dernière rencontre. Peut-on sortir d'ici? Parfois, des transmissions peuvent s'établir entre les mondes. Vous l'avez vu vous-même, mais quitter l'entre-noir, je n'ai pas encore réussi. Ding. Le succès. La dernière fois que j'ai vu les gens faire action... Station service de Stucky. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais voir. Mais ça ne dépendait pas de moi. Jolie à Unra. Jolie référence à Unra. Qui dit, dernière fois, j'ai vu des gens faire action vérité, ils ont fini par s'embrasser, voler une bouteille de vin à un couple et défoncer des véhicules dans une décharge. GG. Coucou Elias Perez, bienvenue à toi. Alors... C'est instant loot. Encore un souvenir devenu réel. Wake n'y arriverait jamais. La folie qu'il affrontait faisait déjà partie de lui, de ses gestes. Il ne pouvait pas gagner. Il n'en avait même pas envie. Rends-moi l'autre flingue. Vilain jeu. Ah, 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 ah. Oh putain, il est dans le fichier, dans les étagères. Ah, il veut pas me le rendre. Chier, j'y perds là au change. Ok, ta mère. Rends-moi le flingue. Oh putain, rends-moi le fusil de chasse ou la carabine, je sais pas, celle qui avait plus de... Ah voilà, voilà, yes. Fusil à pompe, ok, plus de munitions, c'est pas grave, je préfère la carabine, mais... Je préfère aussi celui qui a plus de munitions quand même. Ok, moi j'embrasse des bouteilles de vin en défonçant des coupes dans les décharges. Chacun son trip. Chacun son trip. On va reprendre ça. Okay. Allez. Pousser. Défoncer, tu veux dire.
Ok, moins, le phare n'avait jamais été aussi près. J'allais devoir trouver un moyen de monter. Oh merde. Ned. Ta-la-la-la-la-la. Ça fait mal quand même. Alors, faut faire attention. Monsieur Wake. Qu'est-ce que vous faites? Là-bas, il y a de la lumière. Wow. Merde, quand même. Ok. Checkpoint. Checkpoint. Ok. Pardon, déverrouillé. Autant pour moi, Twista. Autant pour moi. C'est vrai que. Ouais. Putain, j'ai. Tout à l'heure, on parlait de la vieillesse, mais je pense à un peu mal au dos, c'est bizarre. À un endroit où j'ai pas mal d'habitude. Je me rappelle pas du premier film que j'ai pu voir au ciné. Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle, Jiblao. Mais c'est parce que je. Ouais. On n'allait pas beaucoup au ciné quand j'étais jeune. Donc je me rappelle. C'était la Toison d'Or. Je crois. Non, c'était. La guerre des boutons. Voilà, la guerre des boutons, je crois. La guerre des boutons au cinéma. Mon pantalon est décousu. Et apparemment. Apparemment, j'aurais dit à ma mère qui était avec moi, j'aurais dit, oh regarde, maman, ils ont la télé en couleur ici. Je trouve ça génial. Pour donner mon niveau en design, j'ai mis 35 minutes à faire des icônes du site Delki tourné. Bah ça va. Ça va, je vais au ciné plus ou moins une fois par semaine, ça fait genre 52 films par an et j'ai 30 ans, faites le calcul. Ah mais ça coûte trop cher, je peux pas, puis j'ai pas le temps de toute façon. Câble, ok. Je me rappelle parfaitement, c'était Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, je l'ai vu aussi celui-là au ciné. Je l'ai vu au ciné aussi. Câble. Câble, câble. Attends, mais rechargé, il m'a rien filé. Non, il est tombé en fait, ok. Ok. Bon. Ah, salut. Mais ils sont combien là? Aïe, il y en a derrière en plus, évidemment. Aussi, s'il te plaît. Voilà. Ok. Je me rappelle, c'est The Grudge. Hein. C'est depuis ce jour que j'ai décidé de prendre des peluches avec moi. Ça, The Grudge, ça me dit rien du tout. Ce film est perturbant. Roger Rabbit, ça me faisait flipper. Ce film est perturbant quand on est petit. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais pas si jeune que ça, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait flipper? Il est mimi, il n'y a pas de sang, il n'y a pas. Enfin, il y a un petit peu de violence, c'est vrai, mais. Voilà, je me rappelle plus quoi. D'accord. Ok, on est par là. Mon premier film était le Disney Robin des Bois. Mon papa a débarqué dans la salle d'école et m'a emmené avec mes sœurs qui est du bonheur. Ah, j'avoue. Les enfants, on va au ciné. Sortez de la salle de classe. What? Trop bien. Faut que je fasse ça avec ma fille un jour. Bzzz. Ah d'accord. Ça va être notre pompon. The Grudge, c'est le remake américain de Ju-On. Je ne connais pas Ju-On non plus en fait. J'ai mis là-haut. Ça me paraît pas mal là.
sais pas de quoi il s'agit. Jumanji. Je connais Jumanji. C'est ultra flippant. Tu te rejoins bien avec des cartoons bourrés à l'alcool violent et des meurtres à l'acide, c'est ultra flippant. Ok. Moi je m'en rappelle plus alors. Je m'en rappelle plus. Quand j'étais petit, je me souviens avoir vu Highlander et Taram et le chaudron magique. Ah. Mais je crois que j'ai vu la Toison d'or aussi. Tu crois que c'est la Toison d'or? La partie de vous qui contrôle tout est dans le chalet. Elle rêve et elle est démente. Je n'aime vraiment pas ça. Vous représentez la partie d'Alan Wake, capable de penser rationnel. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Si cette partie peut reprendre le contrôle, vous pourrez peut-être vous en sortir. Mais une partie de vous veut abandonner. L'oubli offert par les rêves est réconfortant. Vous représentez la partie qui n'est pas prête à mourir. Hein? Ça veut dire que je ne suis pas réel? Vous êtes tout aussi réel que ce lieu. J'aurai un double? Oui. Et celui que vous appelez Monsieur Grincement, c'est moi aussi? Non. Zane, est-ce que vous jouez à un jeu avec moi? Je ne suis pas l'auteur de votre histoire. Vous osez dire ça alors que vous avez écrit cette page sur le rupteur et moi? J'ai rien écrit. Vous m'avez mené à elle. Weaver, la carte est pour vous. Oui, elle était nécessaire et vous aviez besoin du rupteur, mais je ne suis pas... Quoi? J'y comprends rien. Alan, vous devez continuer. Zane? Zane! Bon sang! Bon, c'est tout de suite plus clair. C'est tout de suite plus clair. Ok, ouais, ouais, si on veut. Maintenant, oh Elkino va à l'école de ta fille et crie Mini Kinette, on va à Disney World tout de suite. Donne lui un sachet de bonbons et quitter la classe en courant. J'aimerais voir la tête dégoûtée de tous les autres enfants. J'avoue, j'avoue. Bon, avant de pouvoir. Avant de pouvoir faire le coup de Disney World, il faudrait que j'ai les sous pour y aller en fait. Parce qu'il faut quand même aller où? C'est à Orlando je crois, c'est ça? Enfin, il faut quand même y aller, payer le voyage, et puis après faut payer l'entrée quoi. J'ai de la chance qu'il n'y en ait pas derrière en fait, je m'attendais à ça. OMG, Zwin, salut lol, comment vas-tu? Zwin qui parle? C'est le vrai Zwin? Comment ça va Zwin? Ah mais en plus, je l'ai pas mis à jour depuis 3 ans, la commande Zwin. Il stream plus Zwin, donc ça compte plus. Sors-toi les doigts du cul et restreins-nous quelque chose, j'avoue. Allez, boum! Boum! Yes! Oh putain, ça fait mal, gars. Ok. Ça va bien? Bon bah, cool. Ok. Alors, j'ai oublié des trucs. Pour moi, Roger Rabbit, c'est un film d'horreur pour enfants, d'accord? Je me souviens aussi avoir vu Le Diamant du Nil. Ça me dit rien. Roger Rabbit, c'est surtout un film pour enfants. Christopher Lloyd était trop flippant. C'est. Ouais. C'est moi que je l'adore dans Back to the Future. Retour vers le futur. Rox. Hey, Lamenting Kiss. Welcome here. It's been a long time as well. We didn't see you here. How you doing? Je suis un peu bourré. Un peu? Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y aurait un autre anniversaire? Est-ce qu'il faudrait parler d'un autre anniversaire peut-être? Shall we talk about another birthday? I don't know. Surnaturel annonçant l'arrivée de l'ennemi. Wake ne sortirait jamais vivant de ce lieu. Il y a pas des commandes pour tout le monde. Moi, je ne peux pas faire de commandes pour tout le monde. C'est pas possible. Moi, je stream plus rien depuis 2 ans. Ah bah oui, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas de commandes. Est-ce qu'on fait un fusil à pompe? On en a déjà un normalement. Ça fait plus de munitions, ça c'est bien. Ok, alors ébouli. Ah bah voilà.
C'est l'anniversaire de la Mounting Kiss, les gens. Va falloir que je souhaite un bon anniversaire et on va faire un autre giveaway. On va faire un autre giveaway. Oh, d'accord. Compris. Voilà. Oh, aïe, aïe. Ok, d'accord. Non, 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 non. Oh, merde. Par là. Tombe. Yes. Ok, pile, 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 pile. Pipile. Yes. Ok. C'est bon, tout le monde est mort. Nickel. Allez, ok. So, for Lamentinki's birthday, we'll do another giveaway. And Lamenting Kiss, you win a game. You can choose a game, and someone else will choose a game as well. You can still play if you want. We'll do the raffle right now, and I will do your. So, je vais chanter bon anniversaire en anglais du coup. Obligé. Attention. 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Lamenting Kiss. Happy birthday to you. Yeah. There you go. Happy birthday. And you can type exclamation mark raffle if you want to participate as well. Point d'exclamation, rafale les gens pour participer. Ok. Alors, il va y avoir d'autres méchants qui vont arriver. Yes. Des méchants. Ah. Vite. Oh non, pas moi. Ouf. Non. Ok, je suis pas super confiant là. Toi t'es tombé. Ah non, non, non. Attends, est-ce qu'il va tomber aussi? J'ai l'impression que leur IA est vraiment à chier quoi. Apparemment il veut pas tomber, on va le péter comme ça. You're welcome, Lamenting Kiss. Jim Lao, remets ton lien. Le lien pourquoi? Ah oui, pour l'anniversaire. Ok. Jim Lao gave you a link for your birthday. I'm not. I didn't see. I don't know what it is. Hopefully, it's not something awful. Ok, checkpoint. Un instant, je peux vous aider. Vas-y, aide-moi, mais... Ok... C'est ça qui est impressionnant dans ce jeu, c'est la taille des objets qui bougent. Mais comment vous faites ça? C'est comme apprendre à contrôler ses rêves. Il y a une connexion. Vous étiez dans mon rêve? Oui, je vous ai appris. Vous avez réparé mon horrible erreur avec Barbara. Ok. Bon, il nous reste combien de temps? Il nous reste 1h30. 1h30, on a le temps de finir le DLC, je pense. Alors par contre, il restera du temps en rab. S'il y a du temps en rab, est-ce qu'on passe sur Deponia, même si c'est pas longtemps? Ou est-ce qu'on fait quoi, une découverte, un Yolokinu? Peut-être des découvertes qui traînent, on verra bien. C'est le club Dorothée. Ah oui, on parlait du club Dorothée tout à l'heure, c'est vrai. DS3, imagine si on fait du DS3 pendant une demi-heure, c'est ridicule, Zwin. T'as loupé en plus le premier épisode. T'as loupé le début de Dark Souls 3. Est-ce qu'il y a des trucs par là, à part un trou? Non, il y a juste un trou en fait. On va pas faire, imagine. Mais non, mais...
C'est... Oui. Ok, ouais, ok. T'es désolé. Eh ben, c'est pas grave. Okay. Oh là là. Là. Recharge. C'est bon, il y en a encore ou quoi? Je crois qu'il y en a encore, ouais. Alors toi déjà. Non non non. Oh sérieux, putain. Je me fais gangbang. Manette ou souris ce jeu? Non, je suis à la souris en fait. Je suis à la souris parce qu'il n'y a pas de visée automatique. Donc t'es quand même. Enfin. Tu pouvais probablement jouer à la manette, mais je suis à la souris. Et ça se joue très bien, comme ça. Qu'est-ce qu'il y en a qui arrivent par derrière? Non. Ok, on va assurer le coup. Shot. Ok. Ah, il y en a un autre là. Crève. En fait, c'est un combo souris manette. Non, c'est pas Siberia 3 non plus. C'est pas Siberia 3. Aïe. Siberia 3, c'est un combo souris manette. Merde. Voilà. Oh, un clip. Merci Twista. Oh, on a eu l'idée en même temps. Ouais, Siberia 3, il faut déplacer à la manette et il faut faire des actions. Des actions à la souris. Checkpoint. Qu'est-ce qui s'est fait ce bruit là? C'est la lumière qui fait ce bruit là, putain. Ok. Point de vue philosophique, Alan met en lumière ses fautes d'orthographe, les élimine pour retracer un chemin qu'il aurait dû prendre, hein. N'aurait pas dû prendre et retrouver David Vincent, qui est une dernière canette de pastis pour vous capter. Stop, parler de pastis, je suis en manque de pastis. Oh no. What the. C'est quoi ce bordel? Éclair, éclair, ok. Vache. Non, c'est pas un boss, mais... Putain, c'est super lourd les oiseaux. Salut, ouais. Ah là 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 là. Allez. Alexandre, bienvenue. Éclair, ça fait quoi? Ça a éclairé. Ça a... En fait, ça a activé la lampe là, en fait. Merde. Je m'attendais pas à ce que ça respawn. Ok. Comment vas-tu, Alexandre? Checkpoint. Ah, l'autre, il est en train de courir sur le... Ok. Ça aussi, c'est un checkpoint. Il y a deux checkpoints d'un coup. Ce bordel. Ok. Double checkpoint alors. Il y a un truc qui s'est passé bizarre. Wake, courut en vain vers la lumière. Il ne l'atteindrait jamais. Sa vie,
s'éteindrait, tout comme la chose qui, selon lui, serait capable de le sauver. Même okay. dans l'obscurité, je ne pouvais que continuer. Eh ben, ça va carrément. Ça va carrément, Alexandre Borghese. Crève, s'il te plaît. Mec. Ok. On est en mode giveaway, les gens, au fait. Hein. N'hésitez pas à taper point d'exclamation raffle. Il suffit juste de suivre la chaîne pour y participer. Il y a une petite clé pour l'anniversaire de... Pour fêter l'anniversaire de Lamenting Kiss. Donc n'hésitez pas. Alexandre, tu peux taper point d'exclamation raffle et R-A-F-F-L-E sur le chat, tu vois. Oh là là. Mais qu'est-ce qui te passe? Ah bah merde. Puisque nous pouvons parler en toute franchise, Alan, et encore une fois, je suis très heureux que vous ayez ouvert les yeux. J'aimerais faire un bilan de votre état. Je vous écoute. Et n'hésitez pas à me reprendre si nécessaire. À tête de télé. D'accord. Commençons par les faits. L'accident de voiture. Un traumatisme crânien non soigné. Sauf son respect, le docteur Nelson n'a rien d'un neurochirurgien. Je pense que votre blessure a eu des conséquences plus graves que vous ne l'imaginez. Oui, j'ai eu de violents maux de tête. Et puis, il y a aussi votre consommation abusive de substances diverses qui, associée à une insomnie chronique, a provoqué chez vous des hallucinations et un grave comportement compulsif. Yes, you can. Il s'agit d'une combinaison hautement dangereuse dont votre épouse a malheureusement souffert bien plus que vous. Je sais. Vous avez raison. Je pense ne pas exagérer en disant que vous vivez dans un état de déni universel et constant. Votre imagination débordante vous place en position de victime héroïque, vous permettant ainsi d'échapper à toutes vos responsabilités. Grâce à elle, vous réglez vos problèmes imaginaires et ignorez les choses qui vous perturbent vraiment. D'ailleurs, je pense que dans vos délires narcissiques, vos problèmes personnels sont des outils qui vous permettent de sauver Alice. Peut-être même le monde. Docteur Hartmann, c'est tout à fait ça. Je peux pas dire le contraire. Tout cela, vous le saviez sûrement déjà. Je ne voudrais pas insister, mais, eh bien... Non, je comprends. Il faut que je voie les choses en face. Exactement, Alan. Vous avez tant fait, imaginé tant de choses pour ne pas voir la réalité en face. Et pour quel résultat? Vous avez refusé mon aide. Votre farouche obstination a-t-elle amélioré les choses? Non. Non. Et en ce qui concerne Alice, était-ce vraiment le mieux à faire pour votre femme? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est pas la télé qui lui parle. Vous savez que j'étais en contact avec elle? C'est Alan avec une tête de télé. Eh bien, je sens que ça va me plaire. Voilà. C'est Alan avec une tête de télé, en fait. Donc, yes, Lamenting Kiss, you can raffle the problem. You can even win. You don't need to give it to someone. There's no issue about it. You do whatever you want with your price if you win. Et Zwin, tu as un jeu, en fait. J'ai prévenu tout à l'heure. T'étais pas là encore. T'as gagné un jeu il y a longtemps. T'as toujours un jeu à choisir, voilà. Ouais, c'est la télé, quoi. Si tu veux, ouais. La seule chose que je voulais, c'était t'aider, Alan. J'ai enduré toutes tes conneries. J'ai essayé de comprendre tes angoisses pathétiques de petit homme riche. Ma vie en était réduite à supporter tes crises en permanence. Je te déteste pour ton attitude puérile, ton arrogance et ta fierté mal placée qui ont sapé tous les efforts auxquels j'ai consenti pour te tirer du trou dans lequel tu t'enterrais. Je te déteste pour m'avoir abandonné dans le noir avec cette chose horrible. Tout ce que t'avais à faire, c'était d'agir en être humain prévenant pour une fois dans ta vie et rester avec moi. Si ton coup d'éclat n'avait pas été plus important pour toi que ma sécurité, elle ne m'aurait jamais enlevé. Je ne sais pas où tu es parti, mais ça m'est complètement égal. Je ne veux pas le savoir. Je ne m'en remettrai jamais. La seule chose qui m'empêche de me suicider, c'est l'espoir que je ne te reverrai jamais. Tu veux DDD? C'est quoi DDD? Elle a parfaitement raison. Je ferais mieux de rester ici plutôt que de continuer à lui gâcher la vie. Vous faites de gros progrès, Alan. Je suis très fier de vous.
Okay. You just want to participate for the challenge. Okay, no worries. Drugs and dicks. What? Elki, je tiens à dire que le jour t'auras une emote cheers, je prendrai la beau. Qu'est-ce que tu entends par une... Oh là là! Eh bah... C'est Père Noël Kojima ce soir. GG Kojima, GG Zewin, effectivement. Go spam, les gens. Deep Dungeons of Doom. Ah, Deep Dungeon of Doom, il est super bien, Zewin, tu vas kiffer. C'est un jeu très con, mais qui rocks. Hein? Kojima vient de t'offrir le sub, Zewin. Donc tu peux spam Elki no lala. Tape 2 points Elki et tu vas voir les limotes. Tu pourras cliquer dessus. Ah, voilà. Exactement. GG. Kojima, t'es un ouf. T'es un ouf. Ok, alors est-ce que... Non, je viens de là, donc il faut passer par la fenêtre. Je vois les trucs là. C'est bizarre. Mais je peux pas... Enfin, comment je fais pour passer là? Ça a pas l'air de marcher plus que ça. La porte, non. Je vois rien. Alors je retourne... Aïe, Kojima Rox. Ça n'avait aucun sens. Totalement. Je savais que je l'avais sauvé. J'avais réussi et c'était tout ce qui comptait. Rien de tout ça n'était la vérité. Ce n'était qu'un mirage toxique de plus. Malgré la souffrance, je n'en étais que plus déterminé à m'extirper de ces illusions. Je ne voulais plus être ce type. Je devais me forcer à voir la lumière. Il est quand même classe, ce jeu. Franchement, la tronche du jeu avec ses objets de ouf. Hein? Je sais pas si... Ok. Donc faut que je remonte et je vais pouvoir passer. Toi tu peux faire ça, mais c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ah, je peux monter là. Yes. Allez. Allez Alan, tu peux le faire. Genre. Je me suis fait... Non, 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 non. Putain, sérieusement. C'est tombé en bas. Ouais, c'est pas grave. Ok, allez. La vache me. Maïté, ça s'écrit comme ça? Ça s'écrit comme ça, Maïté? Ah oui, c'est Maïté, putain! J'avais même pas percuté, c'était trop petit. Ok. Oh merde! Ok, on va aller buter tranquillou. Aïe, enfoiré! Là, c'est bon? Ok. Voilà. Ah, il y a un truc là-dedans. Oh merde! Il est où l'autre? Putain, les autres en fait. Oh là là! Ok. Je suis en train de niquer mes feux à main vite, à vitesse grand V là. Wow! Non, non! Ok, pile. Wow. Là, tout va bien. Recharge, s'il te plaît. Merci. On reprend le gun.
Ok, checkpoint là-bas. Vite, 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 vite. Ok. Bien joué. Vous avez fait beaucoup de progrès, mais ce n'est pas assez. Vous devez prendre le contrôle de votre esprit et rejeter tout ce qui n'est que le fruit de votre imagination. Bon, je pense en être capable. J'ai vu tout un tas de trucs personnels vraiment atroces ici. Ça fait un mal de chien, mais ça ne prend pas. Je sais que c'est faux. Bien. Vous avez pris le pas sur votre tendance autodestructrice. Mais restez sur vos gardes. Le fait de reconnaître ces mensonges pour ce qu'ils sont ne les rend pas moins dangereux. Ça va aller. J'ai pas le choix. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Mais ceci vous aidera pour la suite. Merci, je crois. Ok, c'est une chaîne où, où le streamer joue des jeux nuls et par moments il sait plus jouer. Ok. Et il y a un langage un peu fleuri là-bas. D'accord, ok. J'aime là-haut. Tiens, fait-elle qui nous Dark Souls 3, ça donne quoi? Bah écoute, j'aime beaucoup. On verra dans un instant à Via. Il a dit que. Non, c'est Twista qui a dit ça. Il a dit que s'il terminait trop tôt, il jouera Dark Souls. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'aurait pas le temps. Enfin, c'est ridicule de jouer à Dark Souls 3 pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Ok. Souvenir. Mais non, non, Dark Souls 3, vraiment bien. Vraiment bien. Ça commence mieux que le 2. Il m'a pas l'air. Il m'a pas l'air aussi facile que le 2, donc c'est cool. Ouais, mais même une demi-heure de Déponia, c'est peut-être un peu dommage. Je sais comment ton esprit fonctionne. Quand tu fais une connerie, tu te mets à tout analyser et sans même t'en rendre compte, tu commences à écrire toutes ces histoires d'horreur dans ta tête. Pas vrai? Arrête, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Je connais le refrain. Tu n'es rien qu'un raté. Je te déteste et je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. J'ai tort. Bon sang. Tu vois, je te connais par cœur. Mais Alan, tout ça, c'est dans ta tête. Promis, je t'aime. Je ne vais nulle part. T'as qui? Ok, je kiffe DS3, je ferai 5 heures de live en extra. Hein? Demande à Elkinet. Si Elkinet veut bien, il n'y a aucun souci. Mais à mon avis, Elkinet, elle va faire... non. Dans tes rêves. À mon avis. Hein. Ils continuaient à venir. Ils étaient bien trop nombreux. Ils arrivaient par horde et envahissaient le paysage, assoiffés de sang. Ils venaient chercher Wake et, cette fois-ci, ils triompheraient de par leur nombre écrasant. BFM TV, Emergency News, Elkinou va jouer à Dark Souls 3 pour 30 minutes suite à la pression sociale du chat. Mais là, si une demi-heure c'est trop court, je vais une demi-journée. Mais. DS3 c'est une broutille pour Elkinou. Oh putain, j'ai failli foncer dans le précipice. Faut déjà finir le DLC là, eh. Quand même. Ah bordel. Ok, ça m'arrive pas par derrière, non, on est bon. Ça arrive à par là aussi. Du coup, on a viré le mur en fait et la. Voilà. Et le phare nous aide en fait. Ça, ça rocks. T'en es déjà au DLC de. Non, je parle du DLC d'Alan Wake. Je dis, il faut déjà finir le DLC 2 d'Alan Wake. Faut finir Alan Wake déjà avant de faire quoi que ce soit de toute façon. C'est pas fini. Hein. Ouah putain! Voilà. Ah. Ok. Oh. Trop bien. Ah là là. Voilà. Ils sont cons. Ils spawnent alors qu'il y a un vieux phare derrière.
Vous êtes con. Cuphead, c'est une... Oh merde. Cuphead, c'est une bonne idée, mais Mais pareil, une demi-heure de Cuphead, c'est peut-être un peu dommage. Je pense. Hein? Jimmy, tu confonds pas avec DSK. Voilà. Mais il est par où? DSK n'est pas où? M'aurait menti. Oh, ça va être chaud! Ça va être chaud! Non, 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 non! Mais merde. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Oh non. Oh les poules. En fait, elle quitte. Que penses-tu de Papoyo? Eh ben, il est bien. Il est vachement bien. J'aimerais bien capter l'histoire, en fait. Surtout. Ouais, d'accord. Bienvenue à un magnifique gangbang d'écrivains. Sachant que je reposerai la question à la fin du jeu. Mais oui, espèce de troll. C'est pas la première fois en plus. Bon, on va courir. Hein. Oh. Dieu! Dieu, le nom de Dieu! Voilà. C'est fini là, je pense. Oh, il est fatigué, Alan. Ouh là là. Non, non, mais. Checkpoint, checkpoint. Ok. DS3, c'est la merde, on peut pas racheter les objets qu'on a vendus. Ah, mais faut pas faire de bêtises aussi. Oublie pas que dans les Dark Souls, tu peux aussi. Buter le PNJ qui te fait level up et du coup foirer ton run complètement. C'est aussi pour ça que c'est bien de commencer par le premier pour capter un petit peu le trip. Ok. Non, 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 non. Ok. Le phare là. Oh, aïe. Bah merci. Pfff. Des fois il se fait attendre. Ah, j'adore. Y'a quoi là? Oh putain! Non, y'en avait rien en fait! Non, 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 faites pas ça! Voilà. Douce lumière. Yeah. Oh. Oh là là! Double dodge! Double dodge skillé comme pas possible. Le phare. Ah. J'étais soulagé d'avoir pu l'atteindre. Moi aussi. Mais j'ignorais encore ce qui m'attendait. Ok. Parce que voilà, il nous reste une heure de live là. Une heure de live. Sachant, je pense qu'on finira le DLC. Hein.
en une heure. Hein, je parie qu'il y a un jeu vidéo là. Voilà. Mais bon. C'était à peine évident qu'il y en aurait un en bas. Enfin derrière, pardon, je veux dire. Dernier appel en fait pour le giveaway, les gens. Oh, what? What? Merci Avia. Avia qui pour boire de 10 euros et dit les bonbons, bro, avant le dégel et le voyage à Disney. Le ciné du coin fera l'affaire. Merci, merci énormément Avia pour ton tip. Mais lol. What? No. Lamenting kiss. You're not supposed to do that. It's your birthday. What the hell? Happy Saturday. Lundi, Lamenting kiss. Joyeux samedi. Ben écoute, merci beaucoup. Thanks a million to both of you. Merci à vous deux, Avia et Lamenting kiss. Go spam les gens. Alors Zwin, quand il y a des gens qui font des choses comme ça, il faut spammer des oh là là ou des cœurs ou des oh là là et des cœurs quand même. Bro. Non, la Lamenting kiss, ça serait plutôt 6. To get candies, thank you. Candy cane, bro. Merci beaucoup à vous deux, ça fait super plaisir. Hein. Merci pour le soutien. Thank you for the support and for the candies. Ok, allez, on continue. Bah, défonce la porte. Voilà, Zwin, voilà. Faut le temps, là, pour le spam. Zwin qui fait du spam à la Noix. À noter que... Ok, Zwin. Ok, c'est bon, tout va bien. Ah, c'est bon. On se calme. Avec le délai, il va encore spam pendant 3 ans. En plus, Zwin qui est... Il est bourré. Hein. Non, c'est clair, il est bourré. Hein. Oh. Zwin is drunk. How drunk is he? I'm curious. Comment... Il est bourré à quel point, hein? Ban him from the chat. I'm gonna remove him, his sword. No, I think that's enough. Non, Zwin. J'avais abandonné. Je ne savais pas ce que l'ombre noire lui avait fait pour qu'il s'arrête là. Mais en tout cas, je devais continuer seul. J'avais fait tout ce chemin grâce à lui. Je n'y serais jamais arrivé seul. Quel que soit le dénouement de cette histoire, il approchait à grands pas. He's very drunk. Imagine a line. Ah ouais, je veux la même. La même boisson. He cannot walk straight on the line. Ok. Apparemment, si on imagine une ligne, il n'arrive pas à marcher droit sur la ligne. Donc, une attaque terroriste sur le chat. On plaisante pas avec ça, Zwin. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Ok. C'était quoi ça? J'ai même pas vu. On va regarder ce qu'il y a à l'étage quand même. Bon, donc, vu qu'on n'aura pas une heure, a priori, on fera pas de découverte. Mais, on aura probablement quelques dizaines de minutes. Donc, ça veut dire, je pense qu'on va faire des Yolokino, en fait, après. Donc, il va falloir qu'il y ait un modérateur pas bourré qui se prépare pour le Yolokino, à mon avis. Okay. J'étais surpris par le changement de décor. Mais pas tant que cela. Je commençais à comprendre ce symbolisme et la façon dont fonctionnait l'entre-noir. Ah, Yolokino DS3, mais lol. Oh, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. Non, mais on peut lancer Dark Souls 3 si vous voulez, mais Dark Souls 3 pendant 10-15 minutes. Même une demi-heure. Je pense pas que ça soit. Super agréable. Oh là là. J'ai fait un Elki mystérieux. De quoi? Envoie-moi ça sur Steam. Non, parce que je peux pas regarder là. Hey Barry! Hi Barry! Hey Al! Je crois que je suis un peu déprimé là. Quoi? Alors Zen est ton nouveau pote? Je me sens délaissé. Il a perdu sa guirlande. C'est ridicule, tu n'es même pas réel.
ça veut pas dire que j'ai pas de sentiments. T'es pas réel. Ça veut pas dire que j'ai pas de sentiments, mais lol. T'as construit un pont, un coup de lampe torche? Ben oui. T'as pas suivi, hein. Ouh là là. Zewin, c'est chaud. Merci, Anna. Ok. Tu dois être rationnel. Abandonner tes fantasmes, ok? Et désolé de dire ça, mais j'en fais partie. C'est bon, je t'abandonne. Salut. En tout cas, ce DLC-là, il est bien mieux que le premier. Y'a pas photo, hein. Y'a vraiment pas photo. Al, ce que j'essaie de te dire, c'est que pour entrer dans ce chalet, tu devras d'abord me passer sur le corps. Il faut tuer ce qu'on aime, tu vois. Ah ouais? Mais c'est la routine pour toi. Pas vrai, monsieur l'écrivain? C'était partout. Ça envahissait même les proches de Wake, retournant jusqu'à ses amis contre lui. Ils étaient tous contre lui. Tu peux m'expliquer pourquoi tu essaies désespérément de t'empêcher d'aller mieux? C'est bon! Je prends la commission de 15%. Il est où? C'est bien de t'être fait un ami imaginaire. Mais t'arrives même pas à t'entendre avec lui. Le relationnel, Al. Tu es un vrai chef. Ce DLC a bien torché. Lol, j'avoue. Checkpoint. Ok. Ramasse tout ça. Des piles, on est full pipile, on est full munitions, on est full tout. On est full contact aussi. Ok. Oh, what? Il y a des oiseaux, il y a le docteur. Wow, on se calme. Et ça sent quand même la fin là. Là, recharge maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est génial que la plupart de nos photos soient derrière que tu sois un avion en l'air. Parce que tu es aussi impulsé. Oh putain d'oiseau de nous. J'ai plusieurs avocats dans mon carnet d'adresse. Parce que je sais jamais. Tu sais qui a besoin de ce genre de trucs? Les brigands et les salopards. Et t'es pas un brigand. Parce qu'un brigand, ça gagne de l'argent. Dans le temps. Mais tu te souviens quand t'as crisé parce que ta femme voulait t'aider? Merde. Les brigands l'ont pas supporté. Et qu'à cause de ah, ça. Ah, c'est les. Faut les avoir une dizaine de fois. C'est moi, les musiciens. Al, ton meilleur pote. Non. Aïe. Oh putain, ça fait mal. Il est où ce con? Ils sont où? Ah vache. J'ai plus que 3 feux. Non! Ok. Ok. Nickel. Recharge. Plus qu'un feu, ça va être chaud. Non. Ok, là ça va, je sais pas. Allez.
Voilà. Nickel. Oh. Ah, tu triches là. Tu triches. J'ai plus de feu moi du coup. Oh. Ce con. Non, 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 non. Allez, allez. Non, non, non. 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 Crève. C'est bon là ? Ok, ça a l'air d'être bon, mais j'ai... Putain, j'ai plus rien quoi. J'ai... Ouais. Ah, bah ouais, voilà, bah si, c'est en fait ça. Full, voilà. Nickel, merci. Cette musique fit tellement bien le combat quoi, c'est un truc. Là, le doigt. Coucou Asylium. Mais c'est violent. Mais oui, c'est violent. Ce jeu est violent. And where is my axe? I don't have an axe. Huh. Oh. Merci Zwin. Merci Weeping et Avia. And I'm a tank. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est trop sombre. Où suis-je? Je me suis égaré. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je me suis égaré. C'est trop sombre. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, ah. D'un seul coup, tout est devenu clair. Zen avait raison. J'avais retrouvé mes esprits. Mais je ne pouvais survivre là comme il l'avait fait. Et je n'aurais peut-être plus la force de m'en sortir. Fuir cet endroit serait difficile. Peut-être impossible. Oui, Avia, c'est un double. Ils l'ont dit tout à l'heure. Mes pensées se remettraient vite à gambader. Il était trop facile de se perdre dans l'entre-noir. Avant, j'étais prêt à me laisser mourir. À me laisser couler. Mais j'étais là, face à un avenir qui ne demandait qu'à être dévoilé. Une suite à Departure. Mon nom est Alan Wake, je suis écrivain. Oh là là. Bon, on va laisser la musique comme d'habitude. Et puis les gens, si quelqu'un... peut nous faire un... nous tirer au sort un YOLO qui nous supplait. Un des modos. Non, pas toi Zwin, t'inquiète. Pas toi. Ah ben, Lola Benoît. Non. Mais GG Marc. Ah, un YOLO Kino. J'avais encore oublié le giveaway en plus. Allez, je laisse la musique. Isn't so easy when you're
Noah, tu peux en tirer un deuxième, s'il te plaît? Je vais installer Rage Runner après. Juste histoire de. D'être sûr. Et limite, tire-en un troisième. Mais voilà, tire-en deux de plus. Hop. Si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch, c'était Telkino et c'était le dernier épisode, dernier DLC de Alan Wake. Merci beaucoup et à la prochaine.